Bonjour tout le monde, je reviens vers vous avec une vidéo tuto pour fabriquer cette boîte de fleurs. Faire un cadeau pour la fête des mères ou autre, un autre événement. Donc, je me suis inspirée d'une photo sur Instagram qui présentait une boîte de fleurs succulentes. Mais je n'ai pas trouvé de tuto pour le faire. Du coup, je me suis débrouillée toute seule pour pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas mon premier tuto que je filme sur cette boîte. Je m'y suis reprise à plusieurs fois. D'ailleurs, je vais vous montrer la boîte test qui m'a permis de voir ce qu'il fallait faire ou pas. Genre un couvercle la même forme, ça ne va pas, ça tombe. Les couleurs, elles n'étaient pas top. Au départ, je voulais faire comme sur l'image, mettre des fils. Mais je trouve que ça ne faisait pas terrible. Les couleurs, elles n'étaient pas terribles. Enfin, bref, pour moi, c'est un loupé. Et là, je reviens donc avec vous, avec mon petit schéma bien fait sur mon calepin, et du coup j'ai pu vous faire le tuto correctement. Donc la vidéo se présente en deux parties. D'abord je vous montre comment j'ai fait les fleurs et ensuite la structure de la boîte. Je ne vous ai pas filmé tout ce qui est décoration, coller les carrés verts et le collage des fleurs et des feuilles, parce que bah après c'est selon vos goûts. Je vous ai juste vraiment fait que la structure. Ici j'ai mis du double face hein, pour faire un effet 3D, et c'est juste du stylo dessiné à main levée pour faire les cadres, puis des découpes pour les feuilles. Donc j'espère que ce tuto vous plaira, que ma boîte vous plaira aussi, et je vous dis à bientôt. Oh,